Bonjour à tous, je m'appelle Yann Rogedi. Bienvenue en direct de la Révolution culturelle. Aujourd'hui, je vous parle de ce livre Top Secret Canada Understanding the Canadian Intelligence and National Security Community, édité par Stephanie Carvin, Thomas Juno et Craig Forces. aux éditions des, de l'Université de Toronto. Donc aujourd'hui, nous. Euh, commençons une série de deux podcasts sur les services de renseignement canadien, euh, services que je pourrais dire de euh, sécurité de renseignement canadien. Donc, on va parler euh, de beaucoup de choses. Pour ça, j'en parle en deux podcasts parce que euh, c'est beaucoup d'agences, beaucoup de contenu à vous partager. Euh, avant de commencer, bien sûr, c'est important de liker, partager et euh, vous abonner à, à, mon, euh, à ma chaîne YouTube, que ce soit euh, peu importe les plateformes, c'est vraiment important de faire ça. Et euh, donc, les podcasts vont se dérouler de manière assez, euh, assez simple. J'ai fait ça pour vous. Là. Au début, aujourd'hui, je vais vous parler un, un peu de comment la communauté du renseignement a évolué euh, à travers les époques. Euh, ensuite de ça, je vais euh, commencer à faire la revue de chaque chapitre pour chaque agence. Enfin, C'est 15, 15 chapitres pour à peu près 15 agences. Euh, et euh, ça, ça va être la, euh, la première, dans la, la, la deuxième partie du podcast aujourd'hui, je vais, je vais voir deux, euh, deux de ces sous-groupements d'agences, qu'on pourrait dire. Le premier sous-groupement, ça va être les deux agences centrale euh, au niveau de la coordination dans le gouvernement du Canada. Donc, le euh, Privy Council Office, PCO, et euh, c'est le, le, le conseil privé. Ensuite de ça, on a le euh, Prime Minister's Office, donc le PMO, le bureau du Premier ministre. Ça, c'est les deux premières, euh, c'est les deux bureaux qui sont le... Le, le coordonnateur de euh, la communauté euh, du renseignement canadien. Ensuite de ça, la deuxième sous-section, c'est, euh, on va dire, les Core uh, Collection and Advisory uh, Agencies. Donc, euh, les quatre agences qui sont le cœur de la communauté du renseignement canadien, c'est le SARS, le euh, CSE, euh, le ITAC e et le FINTRAC. Euh, donc, quatre chapitres ici. Donc, six chapitres en tout qu'on va revoir aujourd'hui en plus de l'introduction. Dans, dans le deuxième podcast, je vais vous parler euh, de... Euh, C'est plus euh, autour de ce cœur-là. Il y a d'autres agences. D'un, qui vont faire du renseignement. Et de deux, euh, on va avoir aussi tout ce qui est euh, law enforcement qu'on appelle, donc le renforcement de la loi, la police, euh, on va voir euh, la GRC, tout ça. Donc ça, ça va être la deuxième partie. Euh, deuxième podcast, je veux dire. Et à la fin, toute fin, après avoir fini les agences, je vais faire un peu un, un debriefing pour les Québécois. Euh, Qu'est-ce qu'on a affaire faire? En, en, euh, de quoi, à quoi on a affaire? C'est quoi notre situational awareness? Euh, où on est au Canada, qu'est-ce qui se passe? C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Euh, faire de la politique en premier, il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe. Euh, et donc, c'est euh, c'est une lecture de fonctionnaire. Donc, il y a beaucoup de répétitions, euh, beaucoup d'acronymes. Ça, c'est incroyable. Là. Je vais essayer de ne pas faire d'erreur, de, mais ça se peut que j'en fasse. Euh, quand je parle de ce genre de podcast-là, il faut que vous ayez en tête que c'est une analyse géostratégique. Donc, ça veut dire qu'on fait de la stratégie. Ça veut dire quoi? On ne fait pas du marketing. Ça veut dire qu'on parle en, en fonction d'acteurs, de moyens, de champs de bataille et d'objectifs. Donc, les acteurs, c'est les agences, les agents. Les titres, les hauts fonctionnaires, fonctionnaires qu'on appelle des DM, des Deputy Ministers. Ça, c'est la tradition anglo-saxonne. Euh, on va avoir des Assistant DM, donc des Députés Ministers assistants. Euh, dans ces agences de renseignement là, c'est euh, toutes les ressources sont jouées. Là. Il y a de l'influence politique, il y a des pressions militaires, il y a des ressources de tout le gouvernement et même le privé au Canada va avoir une influence. Euh, le champ de bataille, c'est quoi? C'est un champ de bataille qui est légal, clandestin, politique, économique, médiatique, et même, c on parle de l'intégrité nationale, donc c'est toute une manière de parler de sécurité nationale. Le mandat, ça, ça va être l'objectif des agences. Euh, les, il va y avoir des directives, des actes, euh, genre des lois, là, des lois passées. Euh, on va avoir des bureaux de oversight and review, ce qu'on appelle. Ça, ça, va être à la fin que je vais en parler en, en particulier. Euh, le Québec est absolument absent euh, presque partout au niveau de la sécurité nationale du Canada. Ça veut dire qu'on est des sous-vassales sous parce que le Canada est sous-protectorat américain. Euh, on est complètement intégré à l'OTAN, au NORAD et tout ça. Euh, mais le, le Québec en particulier presque pas de lien avec le Canada. Ça veut dire que euh, à tous les endroits où euh, le euh, mandat de sécurité nationale est abordé par des agences, des départements, des bureaux du gouvernement fédéral, euh, à deux ou trois exceptions, le Québec n'est même pas sur la carte. Ça veut dire qu'on est vraiment des hobbits pendant qu'il y a une guerre froide qui se fait avec les Chinois, les Russes, les Américains. Euh, l'Europe. Euh, donc, on est des freeloaders qu'on appelle. Ça veut dire qu'on n'est même pas capable de euh, donner 1 ou 2 de PIB du Québec à la sécurité nationale afin de développer notre territoire et de le sécuriser. Ça veut dire que euh, si vous êtes dépendantiste, souverainiste, nationaliste, vous devriez suivre mon podcast avec beaucoup d'intérêt. Euh, la plupart des agences sont récentes. Euh, dans qu'est-ce que je viens de dire là donc il y en a un petit peu qui ont été créés euh, des années, à la fin de la Deuxième Guerre euh, deux, euh, à la fin de la Guerre froide, euh, il y en a des plus, plus vieilles aussi, la Deuxième Guerre mondiale euh, t'en as un petit peu au, dans le coin de, euh, du 11 septembre et euh, il y en a des nouvelles qui ont été créées en 2015 et 2019 euh, Les vieilles agences ont une historique de euh, contourner les règles donc on va parler du SCRS, CISIS et euh, CSE euh, il y a beaucoup, euh, très peu de transparence dans les agences euh, ca canadiennes. C'est le premier livre qui fait une, recens euh, une recension de toutes ces agences-là. Donc, euh, à avoir dans votre bibliothèque pour essayer de bien suivre ce qui se passe. Euh, on a beaucoup de misère au Canada à aligner le pipeline de l'expertise. Bon, c'est quoi le, le pipeline de l'expertise? C'est dans le fond, chaque agence va avoir besoin d'expertise interne. Donc, il faut qu'on aligne ça avec les, le mandat de l'agence. Il faut qu'on aligne ça avec euh, des, euh, des moyens sur le terrain. Donc, faut il faut qu'il y ait des lois pour soutenir ça, des ressources. Et euh, il faut que les autres agences et le privé. Euh, accepte de suivre ça parce qu'il y a des problèmes aussi à ce niveau-là. Et euh, donc, un problème de coopération à la fin. Et en final, aussi dans ce pipeline-là, qu'on pourrait dire, il y a le oversight and review, donc le, 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 la surveillance sur le terrain en temps réel, le oversight et le review, c'est après les faits, qu'est-ce qu'on fait, un debriefing, on essaie de euh, voir si ça s'est bien passé, qu'est-ce qui a amélioré, blablabla. Bla, bla. Et euh, donc, il y a eu des gros changements en 2017, en 2019. Ça continue. Il y a encore deux bills qui sont en attente, euh, que ce soit au Sénat ou à la Chambre. Ça a été mis de côté quand la, euh, euh, les dernières élections ont débuté. Euh, ce qu'on pourrait dire, c'est que euh, le Canada n'a pas... d'agence d'un, qui centralise toute l'activité de renseignement et de sécurité nationale. Et de deux, le Canada n'a pas d'agence officielle qui maintient du Human Intelligence, donc H-U-M-Intel, I-N-T. Donc, on fait euh, des acronymes comme ça là, dans, dans, la, dans la géostratégie parce qu'il y a toujours des, plein de trucs de, de trucs que les gens doivent savoir, voir rapidement, éviter de répéter tout le temps les mêmes mots. Donc, euh, et il n'y a pas de prime abord, de moyens pour ces agences, les agences canadiennes de faire du renseignement euh, sur les étrangers. Mais, il y a des exceptions. Donc les exceptions, le DND CAF, donc le, le Department of National Defense et les Canadian Air Force euh, Armed Force, l'armée et le département de la défense nationale peuvent euh, faire du Human Intelligence, peuvent ra rassembler des informations sur des citoyens étrangers. Exception aussi, le SCRS, le CISIS, euh, qui est le Canadian Security Intelligence Service. Appelle aussi de service, eux peuvent aussi faire du renseignement du human intel et euh, faire du renseignement sur des citoyens étrangers, des organisations étrangères, si c'est en lien avec le terrorisme, l'espionnage, euh, de, des actions d'influence d'entités étrangères et tout ça qui amène une menace à la sécurité du Canada. Exception aussi, une requête. D'un euh, ministre, du ministre de la Défense nationale ou du ministre des Affaires étrangères, selon la section 16 de l'acte CISIS. Donc, ça, c'est euh, la, la loi qui a créé le service de renseignement. Euh, et euh, ça, c'est aussi pour euh, des citoyens dans le Canada. Euh, donc, des Canadiens, si on veut les espionner, on peut, à partir de requêtes de ces deux ministres-là, euh, et sinon, exception aussi, ce qu'on appelle le Signal Intelligence, donc un autre acronyme, S-I-G-I-N-T, Signal euh, pour les signaux technologiques, les ondes, les, euh, le courant électrique, tout ça. Euh, C'est le CSE qui fait ça, le euh, Communications Security Establishment. Euh, donc, eux autres, il y a beaucoup de problèmes de vie privée en lien avec les métadonnées et la sous-traitance qu parce qu'ils participent dans le traité Five Eyes, ce qui permet au Canada d'accéder à plein d'informations provenant de nos alliés qui sont dans cette alliance-là. Il y a plein de nouvelles menaces. Il y a des changements dans les agences euh, suivant euh, le National Security Act en 2017 et euh, en 2019. Donc, c'est très récent. Beaucoup de problèmes de transparence, je l'ai déjà dit. Il y a euh, le format des chapitres, dans le fond, euh, chaque agence traitée par une personne en particulier qui a travaillé carrément euh, dans les postes liés à ça. Donc, ce n'est pas un livre de journaliste ou d'académique, c'est un livre de professionnels. Ils ont euh, une historique là-dedans. Euh, ils discutent que du mandat de l'agence en particulier. Ensuite de ça, euh, sur, ils mettent une emphase sur la Coopération interagence, parce que c'est dans les priorités du gouvernement du Canada depuis 2001. Euh, ils discutent ensuite de ça des ressources et ensuite de ça, controverse euh, challenge, donc les, ce qui est important à retenir et qu'est-ce qui va se développer dans euh, ces euh, agences-là. Il, il y a beaucoup de problèmes de travail en silo, c'est pour ça que c'est une des priorités du gouvernement depuis 2001. Euh, beaucoup de nouvelles technologies et Très peu de nouvelles lois euh, balisant l'utilisation de ces, ces nouveaux outils-là. Euh, beaucoup de problèmes de recrutement, euh, de training et de euh, rétention du personnel. Et euh, en fait, la sécurité nationale, que ce soit au Canada ou au Québec, c'est vraiment pas une priorité pour les gens. Et c'est pour ça que je vous parle tout le temps, ou presque, de géostratégie. Le terrain légal. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain légal? En gros, en 84, il y a eu le CISIS Act qui a séparé en fait la fonction de, de euh, intelligence et de law enforcement du euh, RCMP, donc de la GRC, le Royal, Mounted, euh, euh, un Royal Canadian Mounted Police, donc, et la euh, Gendarmerie Royale Canadienne et euh, avec le bill C36 en 2001, ils ont ça c'est le anti-terrorism act, ils ont fait beaucoup de changements donc il reste encore quelques euh, moyens de euh, intelligence dans le GRC mais c'est tout en lien avec le terrorisme. Sinon tout ce qui est intelligence a été shifté au CISIS euh, à partir de 1984, euh, je vais expliquer pourquoi rendu là. Euh, il est arrivé quoi d'autre? Il est arrivé beaucoup de nou euh, nouvelles offenses terroristes à partir du bill de C-36. Il y a eu un autre bill ensuite de ça, le « Official Secret Act », qui est devenu le « Security of Information Act euh, ». Ça a donné des amendements euh, à, euh, au « National Defense Act » permettant euh, la création du CSE, Commun « Communication Security Establishment ». On a créé, euh, on, a, on a balisé aussi euh, beaucoup de choses liées en lien à, euh, à le, 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 la fraude de l'argent et euh, anti-money laundering, donc l'argent le, 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 utilisé à des, par des criminels. Donc, ça c'est en 2000, en 2000 que c'est arrivé. Ça, tout, tout ce qui est en lien à financement du, de la criminalité et du terrorisme, ça c'est aussi euh, de la nouvelle législation. C'est euh, le FinTrack. Qui, euh, cette agence-là qui s'occupe de suivre euh, ces standards internationaux-là, là, contre le money laundering et euh, contre le financement du terrorisme. En 2002, il y a eu euh, une réforme de euh, Immigration Security Certificate, donc les certificats de sécurité et d'immigration, tout le euh, processus interne de Immigration and refu euh, Refugee Protection Act. Euh, il y a eu... La création de euh, Public Safety Canada, donc le, can, euh, ça c'est l'agence de la sécurité publique. On parle aussi de, euh, moyen, des, des mesures d'urgence, préparation de mesures d'urgence. Ça a été créé dans. Euh, je, je, sérieusement, je pense que je n'ai pas le goût de vous faire l'historique de comment ils ont euh, regroupé les portfolios. En gros, là, avant. 2000 à peu près. Là. On avait au Canada euh, le département des affaires extérieures et euh, on avait la GRC qui faisait le contre-terrorisme, le, tout l'intérieur. Le Ils ont, à partir de 2000, on a dédoublé ça de plein d'endroits différents et ensuite on a regroupé certains portfolios. Donc aujourd'hui, on parle de euh, Public Safety Canada quand on parle de euh, euh, CBSA. Canadian Border Service Agency. On va parler de Immigration Refugee Citizenship Canada, donc le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté canadienne. Euh, on va avoir, donc, c'est euh, tout l'Office euh, des, euh, des infrastructures critiques et de la, de la protection des, des infrastructures critiques et des, de la préparation des mesures d'urgence. Tout ça, c'est regroupé dans un portfolio qu'on appelle Public Safety and Emergency Preparedness et qui est tout ça sous le solliciteur général qui est devenu le ministre de la Sécurité publique. Donc, on a un peu euh, réarrangé ça parce qu'avant, c'était le département de la Défense nationale qui avait tout ce portfolio-là. Euh, pas juste lui, il y avait l'autre, la partie réfugiés, citoyenneté, c'était un autre portfolio, c'est les affaires extérieures, je pense. En tout cas. Et là, on a tout regroupé ça. Euh, ensuite de ça, 2006 à 2015, il est arrivé presque rien. Pendant très longtemps, euh, il y a eu beaucoup de commissions parlementaires, commissions bureaucratiques, Royal Commission. Et là, ça ne marchait pas. Là. Euh, les nouveaux changements, euh, les agences ils coûtaient pas trop, euh, beaucoup de problèmes à l'interne et euh, il y a eu des, euh, carrément des, des décisions de cours qui n'ont pas été respectées par les agences. Euh, on a eu des nouvelles capacités techniques, on a eu des nouveaux frameworks qu'on appelle afin de baliser comment les bureaucrates euh, pratique le renseignement au Canada afin de protéger la vie privée, éviter la torture. L'affaire maher Arar, ça fait beaucoup mal au gouvernement canadien. Euh, donc, une série de euh, commissions of inquiry qu'on appelle sur le rôle des services canadiens, le, traitement, le mauvais traitement des Canadiens, pas d'accountabilité, pas de, pas de prise de responsabilité par des hauts fonctionnaires, pas de review. Euh, les, les... Et quand il y en avait des reviews, c'était mal, mal fait parce qu'ils n'avaient pas l'accès aux informations, en fait, de traiter le dossier de manière euh, objective et euh, impartiale. Un, un des reviews qui a fait mal, c'est l'explosion le, 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 du euh, vol Air India en 1985. Euh, directement en cause euh, c'était euh, le non-vouloir de collaboration entre le SCRS et, et la police donc un problème dans ce qu'on appelle le faisceau intelligence to evidence ce qu'on veut là, quand on fait du renseignement qui est directement actionnable sur le terrain on veut que soit on ait des mesures qui sont clandestines, ça je vais en parler plus loin mais on veut soit que ça amène des arrestations et des condamnations. Et là, donc la disruption ou des condamnations. Donc on veut prévenir ou on veut guérir après les faits. Donc il y a un problème au Canada de ça. C'est ce qu'ils essaient de faire, de résoudre depuis 20 ans. En 2015, Harper a fait beaucoup de changements au, 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 au SCRS. Donc ils ont fait des changements au CISIS Act. Euh, suivant les attentats à Ottawa-Saint-Jean-sur-Richelieu en 2014, mais en fait, c'est des changements plus en lien avec l'État islamique. Donc, le bill c 51. Euh, on a créé des Threat Reduction Power, qu'on appelle. Donc, ça, c'est les capacités physiques de ce que je disais il y a deux minutes, là, de euh, disrupter et euh, prévenir. Donc, là, on fait des, euh, des actions clandestines pour... Taper sur les, les, les criminels euh, euh, internationaux ou euh, qui représentent des États étrangers euh, qui vont essayer d'attenter à la sécurité nationale du Canada. Euh, on va avoir. Quand je parle d'opération clandestine, c'est que c'est en, en brie avec la Charte canadienne des droits et libertés. Euh, comment le gouvernement accepte ça? C'est dans des, des closed hearings, donc dans des séances fermiers avec un juge et un procureur euh, et un défenseur euh, qui représente les intérêts de la personne qui sera visée. Et euh, il y a euh, trois, euh, trois manières euh, que donc, ce serait illégal, je vais les dire plus loin. Là, mais euh, en, en général, le, les Canadiens. On n'essaie pas de tuer, on essaie d'empêcher sans tuer présentement. Euh, donc, on essaie d'arrêter ou on va viser surtout les moyens euh, technologiques, donc communication, euh, réseau, tout ça, et financiers, afin de euh, cripple, donc de, de, de disrupter les, euh, les opérations d'influence ou opérations clandestines étrangères. Euh, le Bill C-51, en 2015 n'a pas adressé les vrais problèmes au niveau cyber et au niveau de, euh, des commissions of inquiry dont je vous parlais. Donc, les problèmes, par exemple, Air India, euh, on n'a pas résolu en 2015. En 2017-2019, on a essayé de créer plusieurs moyens de résoudre ces problèmes-là. Euh, ce qu'on appelle le Bill C-59, National Security Act of euh, 2017. On a euh, refaçonné le CSE au niveau de la structure interne. On a euh, assuré euh, un, euh, des, un processus bureaucratique pour que les Trade Reduction Measures soient plus légales. Euh, on a un nouveau régime de collection des données pour le, S, le CISIS, le CRS. Euh, ça, c'est les datasets, c'est les, an, les analytics qu'on appelle, donc tout ce qui est en lien avec les métadonnées. Euh, on a de nouveaux checks and balances dans le gouvernement, euh, lesquels? On a le National Security and Intelligence Review Agency, NSIRA, r NSIRA. Je vais vous en parler dans tous les chapitres. Le deuxième, euh, c'est dans le Parlement, c'est le National Security and Int Intelligence Committee of Parliamentarians, NSICOP, NCCOP. Ça, c'est le, euh, le comité parlementaire. Maintenant, en 2021, c'est quoi qui manque au, euh, à la communauté de l'intelligence au Canada On n'a pas de loi concernant l'encryption des, de des, des données. Euh, si, par exemple, moi, j'encrypte mes données, comment que légalement le gouvernement va réagir face à ça Il n'y a pas de loi, donc, ils sont capables de le briser euh, sans. Euh, aller contre aucune loi. Euh, on a le problème intelligence to evidence que je vous l'ai dit, donc le renseignement aux preuves, euh, l'incapacité des agences, à, à, de certaines agences, à avoir de la coopération d'autres agences, de d'autres gouvernements, d'entités de, privées et euh, d'avoir accès à des informations ou données euh, confidentielles. Euh, donc, ça, c'est des problèmes qu'on a beaucoup. Des tendances. On a beaucoup de départements qui créent leurs propres, euh, beaucoup d'agences aussi, là, ben, qui créent leurs propres euh, cellules de renseignement. leur intelligence capabilities, ce qu'on appelle. Donc, euh, on va avoir des assessment euh, units euh, chez par exemple Transport Canada et euh, Pêcher Océan Canada. Euh, on va avoir des départements qui vont en faire des liens avec des agences de renseignement, donc comme Élections Canada, euh, Canadian Heritage, qui vont être partenaires avec des agences de sécurité euh, nationale. Et le livre porte une attention particulière donc sur euh, le renseignement et la sécurité nationale. Donc, euh, espionnage, violence, extrémisme, euh, cl affaires clandestines, euh, influence étrangère et sécurité nationale. C'est pas mal. Tout ce sur quoi on peut dire que c'est important. Et donc au Canada, qu'est-ce qu'on a au Canada? C'est quoi? C'est quoi notre... Euh, comment on pourrait décrire notre régime? On peut dire que notre régime politique et stratégique est une bureaucratie défensive. Bureaucratie défensive parce que notre premier ministre est plutôt un technocrate qu'un euh, un exécutant, un exécutif comme un président, un, un roi ou un, euh, un euh, premier ministre qu'on pourrait dire plus euh, euh, investi de pouvoir exécutif. Là. Donc très peu, euh, très peu de euh, choix qui sont faits à partir du politique. C'est plutôt la bureaucratie qui travaille. Il euh, n'y a, a pas vraiment de hiérarchie dans les agences de renseignement. Ce qu'on a, c'est euh, le PCO et le PMO, donc le Privy Council Office et le Prime Minister's Office, donc le bureau du Premier ministre et le conseil privé qui structurent la coordination. Euh, à travers les agences et dans la bureaucratie canadienne, donc, et entre le gouvernement et les entités privées au Canada, et entre le gouvernement et les autres gouvernements étrangers ou entités privées étrangères. Et donc, on a le cerveau, on a le cœur, le cœur c'est le CISIS, le CRS, euh, le CSE, le Communications Security Establishment le Fintrack qui s'occupe des affaires financières et le euh, ITAC qui est euh, le bureau de centrale de renseignement sur le terrorisme et ça c'est les ça c'est le cœur du renseignement canadien qui n'est pas une pyramide qui est plutôt comme le regroupement de ces agences là et autour de ça on a comme une deuxième écorce euh, qui va se spécialiser ou qui va avoir un, un petit tuyau de renseignement afin de rester en contact avec les, le reste de la communauté canadienne de renseignement. Euh, on va avoir des cellules qui vont être plus sur la collection, l'analyse de, de, de renseignement, d'autres cellules qui vont être plus sur les politiques, les priorités, d'autres sur le cycle d'intelligence, donc comment on analyse en particulier euh, à partir quand on centralise l'analyse du renseignement, je veux dire. On va avoir les reviews euh, and oversight, donc, et euh, la revue, le débriefing et euh, comment on, on surveille les activités de la communauté de renseignement. Et en, en finalement, on a les opérations et le renforcement de la loi. Première partie. Euh, les agences centrales et euh, les, euh, ceux qui vont donner comme les euh, avis aux politiciens. Qu'on pourrait dire, ceux qui aident la création des nouvelles politiques. Le chapitre 1, le Private Council Office. Donc, le, le, le conseil privé, c'est quoi leur mission C'est de supporter le premier ministre, supporter le, euh, les comités du cabinet, du cabinet ministériel, supporter le cabinet. Euh, c'est des euh, fonctionnaires qui sont là-dedans. On a un clerk et on a le conseil privé. Euh, le conseil privé, comme entité, c'est le euh, principal conseiller sur les, le service public au Premier ministre. On va avoir euh, des euh, secrétariats du PCO qui vont s'occuper de certains dossiers en particulier. Euh, on va avoir des secrétariats, donc, et on va avoir des bureaux spécialisés en plus, et chacun des deux tranches, vont avoir des départements de presse en plus. Dans le Privy Council Office, on a le National Security and Intelligence Advisor, NSIA. Euh, ce conseiller-là, c'est lui qui est en lien direct avec le Premier ministre. Il est en... Euh, overlap, qu'on va dire, avec le PCO. Parce que... Le PCO, c'est des fonctionnaires. Lui, c'est un haut fonctionnaire spécialisé qui est généralement un ancien militaire. Euh, chacun de ces euh, entités-là euh, ont des, euh, des, 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 euh, des employés qui sont des seniors staff, euh, senior staff du euh, fonctionnaire, donc des hauts fonctionnaires. Euh, ils répondent au clerk du PCO et au premier ministre. Il y a 89 employés à temps plein, 11 millions de budget. C'est eux autres qui participent un peu en lien avec la communauté de renseignement des autres entités, des autres pays. Donc, le lien avec les Five Eyes, ils coordonnent ça avec eux autres. Le lien avec les États-Unis, le PCO, ça aussi. C'est... Eux qui ont forcé, euh, créé le ITAC, donc le centre de renseignement lié au terrorisme. Euh, on a euh, depuis 2003 beaucoup de besoin de nouvelles sources de renseignement. Et euh, donc le, la priorité du PCO, ça c'est de la bouche même du gars qui a écrit ça, qui a travaillé au PCO, dit Many departments found that they could not respond to the terrorism threat. Global air crisis, Illegal fishing, human rights abuses, and many other core mandates issues without better access to intelligence. This emphasized the, the requirement for central community coordination. Donc, leur but, le but au PCO avec les secrétariats et avec les comités, c'est d'adresser, de, de coordonner l'action des agences gouvernementales sur ces nouveaux, des nouvelles problématiques qu'on qu qu ne, qu ne connaissait pas il y a à peine 20 ans. Et donc, euh, la nouvelle cybermenace, euh, donc tout qu ce qui est domaine cyber, ça, la politique se développe dans le PCO. Euh, Faire face à la Chine, c'est dans le PCO qu'on va coordonner ça. Euh, les menaces domestiques, donc le euh, terrorisme, espionnage, crime organisé. Euh, extrémistes, qui soient euh, islamistes ou d'extrême droite, euh, les changements dans les patterns d'immigration, euh, le changement de politique ét étrangère canadienne de pro euh, peacekeeping, pro euh, soutien de la paix à euh, renforcement de la paix. On est rendu à du euh, peace enforcement dans le temps. Là. Euh, ça c'est depuis les années 2000 aussi là. Hum, donc, pas d'agences qui ont la coordination sur toute l'entière communauté du renseignement. Et hum, par exemple, un exemple qui explique ça là, Public Safety Canada, eux, ils, ont, ils, ont, ils coordonnent Correctional Service Canada, donc les services correctionnels canadiens, le Parole Board euh, du Canada, euh, donc tout ce qui est euh, quand les, 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 les criminels veulent sortir de prison, euh, c'est euh, coordonné par Sécurité publique Canada. Euh, CBSA, donc Canadian, Canadian Border Service Agency, euh, et euh, la GRC et le euh, CISIS, le CRS, sont aussi coordonnés par Sécurité publique Canada, mais le département de la défense nationale, le CSE, Global, Global Affairs Canada et d'autres agences ne sont pas euh, sous euh, la direction de Sécurité publique Canada. Donc le lien entre le euh, Premier ministre et le NSIA le National Security euh, and uh, Intelligence Advi Advisor, euh, ça ne sort pas de nulle part. Avant ça, c'était le Int Intelligence and Security Coordinator. En 1985, suivant le début du CISIS, on a créé ce poste-là. Il est devenu en 2004 le NSA, National Security Advisor. On a rajouté récemment Intelligence. Dedans, ça veut dire qu'on est en train de comprendre au Canada qu'on ne peut pas faire des silos de toutes ces entités-là. Il faut qu'on euh, comprenne que la menace, elle est hybride mais, présentement. Donc, c'est pour ça que chaque entité développe des capacités de renseignement. Parce que le renseignement lui-même devient non pas euh, un domaine qu'on spécialise, mais quelque chose dont tout le monde va devoir avoir un bagage général. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes dans le training des fonctionnaires, parce qu'on ne pensait pas de, selon ce frame-là, selon ce euh, paradigme-là. On a eu le, euh, en 2017, donc c'est devenu le NSIA, et euh, dans, sous le NSIA, il y a trois secrétariats du PCO. Donc, il euh, y avait à l'époque de 2017. Parce qu'en de, depuis Trudeau, il y a un des secrétariats qui est redevenu sous le clerk à la place. Fait que dans le fond, c'est comme une structure qui met euh, parce que le NSIA, il est choisi par le premier ministre avec l'approbation euh, des comités internes, du PCO. Et donc, ça, c'est un poste qui est euh, semi-politique. On a le clerk, c'est un fonctionnaire qui n'est pas, pas censé faire de politique. Et euh, ce qui fait que le PCO, c'est un mélange d'exécutif et de bureaucratique. Donc les trois secrétariats qui étaient en 2017 sous le, euh, P, euh, le, le, le NSIA, c'était les secrétariats de euh, renseignement et sécurité 1, le deuxième, c'est le, euh, les, les euh, Threat Assessments, ce qu'on appelle là, euh, Intelligence Assessment. Donc, qu'est-ce qui est euh, euh, créer un rapport pour essayer d'analyser une menace, voir c'est quoi le niveau de menace, tout ça. Et le troisième, c'est euh, Foreign and Defense Policy, qui est redevenu sous le clerk du PCO. Donc, présentement, le NSIOS avec Trudeau a deux secrétariats du PCO, donc liés aux sécurité, intelligence et euh, création de rapports sur la menace. Euh, le troisième, Foreign, Policy de, euh, Foreign and Defense Policy, ce secrétariat-là, c'est lui qui est en particulier responsable de... Euh, tous les voyages au, euh, à l'étranger donc je pense qu'il y a une raison pourquoi le NSIA s'occupe pas ça parce que quand Trudeau a fait un voyage en Inde, ils ont raté euh, leur euh, le, le fichage voir s'ils n'amenaient pas des problèmes ils ont amené des problèmes en Inde, ce qui a fait que le voyage a raté, ils n'ont pas eu de contre-économie et euh, depuis probablement que c'est pour ça que c'est rendu les fonctionnaires qui s'occupent de, de faire, de préparer les voyages du premier ministre depuis cette époque-là. Les deux autres bureaux, euh, donc Security Intelligence, c'est euh, des bureaucrates qui, très stables, s'occupent de, 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 du renseignement opérationnel domestique, la cordon, cordon, coordination de tout ça, le lien avec le cabinet, le lien avec les comités du, du cabinet et euh, des ministres. Là. Et le deuxième, c'est le Threat Assessment, Intelligence Assessment. C'est le lien avec les académiques. Euh, on rentre toutes les informations possibles des agences de renseignement canadiennes afin d'essayer de synthétiser ça. Euh, on crée des programmes de training et on fait euh, les... Euh, c'est eux qui sont en charge, là, le, 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 ce secrétariat-là. C'est lui qui sont en charge quand on prépare des rencontres avec d'autres officiels de d'autres pays. C'est eux autres qui font ça. Là, ça, c'est les secrétariats. Ensuite de ça, on a les comités du cabinet. Euh, et donc, euh, on a deux, deux comités, euh, deux, deux comités du cabinet on Canadian-American uh, Relations, Trade Diversification and Internal Trade. Ça, c'est le premier co comité du cabinet. Le deuxième, c'est le euh, cabinet de committee on Global Affairs and Public Security. Donc, ça, c'est les deux comités qui sont vraiment liés à la Sécurité nationale du Canada. Euh, on a aussi... Euh, donc, ces deux comités-là sont appuyés des secrétariats du PCO. Et ensuite de ça, c'est la troisième chose qu'il y a dans le PCO, c'est des comités de DM, donc de Deputy Minister. Donc, des comités de bureaucrates qui coordonnent sur des sujets en particulier. Donc, on a... Trois Deputy Minister Level Committees sous le NSA, euh, NSIA. Et en plus de ça, on a des comités parallèles avec des assistants députés ministres Dans le livre, là, il y en traite de trois, trois gros comités de bureaucrates le DMNS, Deputy Ministers National Security Committee. Le deuxième, le DMOC, député Ministers Operations Committees, et le DMIA, Deputy Ministers Intelligence Assessment Committee. Donc, ça, c'est les avant que ça arrive au... sur le bureau du... des PCO, euh, des secrétariats du PCO, avant qu'eux reçoivent l'information. Tu as des sous-comités de bureaucrates de députés ministres et d'assistant députés ministres qui font remonter eux l'information des sources et les, ch les euh, challenges du PCO avec l'évolution de la nouvelle réalité terrain euh, donc c'est euh, recruter et retenir l'expertise parce que euh, être haut euh, fonctionnaire qu'est-ce qui arrive c'est que euh, à un certain niveau dans l'enseignement tu topes. Le maximum de ton salaire. Et pour monter encore, il faut que tu changes carrément de domaine pour devenir un, euh, un cadre dans, un, un, dans un, une agence ou un ministère qui n'a plus rapport avec la sécurité nationale. Et donc, la, une, un des problèmes, c'est de créer un peu un incitatif économique à garder ces professionnels-là. On a le problème de corruption qui est toujours là aussi. Euh, et. Euh, pour répondre à ça, euh, euh, on a de nouvelles agences, le NCCOP que je vous l'ai dit, le NCIRA que je vais traiter dans mon deuxième podcast, là, les, ces reviews-là, ces agences-là. Les Canadiens essayent de copier le modèle euh, anglais. Donc le modèle anglais, c'est euh, le Joint Intelligence Committee. Euh, et c'est ce qu'on essaie de faire avec le PC, on essaie de centraliser l'affaire du renseignement. La, les pratiques du renseignement du Canada, du Canada dans ce comité, ces comités-là, ces secrétariats-là et tout ça. Donc ça, c'était le premier chapitre, le PCO, le, le Conseil privé. Euh, deuxième chapitre, le euh, bureau du Premier ministre, PMO, Prime Minister's Office. Ça a été écrit, ce, ce, ce chapitre-là, comme tous les autres, c'est quelqu'un qui a travaillé sous Harper. Euh, en particulier celui-là, ils n'ont pas tous travaillé sur Harper, là, mais celui-là sur Harper. Euh, c'est euh, le, le PMO, là, le bureau du premier ministre, c'est des employés politiques. Et donc, les employés politiques ont, s'ils remplissent les conditions de sécurité, ils, devient, ils ont accès à du renseignement. Euh, secret, top secret, euh, je ne sais pas s'il y a d'autres dénominations, mais... Ils peuvent atteindre ce security clearance là comme personnel politique. Le lien, le but du PMO, du bureau du Premier ministre, c'est de faire le lien avec le Conseil privé, le PCO, et en lien avec le Premier ministre. Ils ont des, euh, des fonctions de national security et de renseignement, mais le problème avec les autres, c'est qu'ils n'ont pas juste ça à faire. C'est beaucoup de communication et de euh, médias, le bureau du Premier ministre. Et donc, si on a à leur donner du renseignement, euh, il faut qu'on soit capable de faire la différence entre intéressant et euh, il faut savoir, need to know, very important. Euh, le problème, quand on a de la bonne information sur laquelle on peut avoir des actions, c'est la rapidité du euh, flot des informations dans la bureaucratie. Euh, et autre problème qu'on a avec le staff politique, si on les sépare d'un téléphone pendant 30 minutes et plus, euh, c'est très dangereux pour le, le, euh, le staff politique en particulier. Ils peuvent, euh, ils peuvent carrément... Euh, Rater une crise parce qu'ils n'ont pas été capables de réagir assez rapidement en coordonnant une réponse du bureau du Premier ministre, une réponse des, euh, du parti politique et tout ça. Donc, euh, si on veut leur faire des euh, briefings de sécurité, et comme il faut faire ces briefings-là sans téléphone pour pas qu'on soit surveillé, et euh, donc c'est très difficile de synthétiser de la bonne information sur laquelle on va partager. À ces staffs politiques-là. Donc, des, des événements qui seraient VIP, euh, euh, l'auteur du chapitre nous en donne six exemples. Donc, euh, un pays qui est sur le point de s'effondrer de politiquement, euh, des fraudes dans des élections, euh, des problèmes dans les infrastructures critiques ou la sécurité nationale des Canadiens euh, injustement emprisonnés à l'étranger et euh, non il y en a cinq en tout euh, et euh, des euh, opérations d'influence étrangère clandestine en lien avec le renseignement et la sécurité donc des breaches qu'on appelle euh, suspectés euh, de par euh, des euh, gouvernements étrangers ou leurs opérateurs au Canada intéressant qu'est-ce qui serait intéressant donc, euh, à mettre de côté, à ne pas, à pas vouloir euh, faire du lobby à ce staff politique-là, juste leur dire, ah, c'est intéressant. Euh, donc, s'il y a un peu des manifestations euh, dans les rues de certains pays, mais pas l'effondrement, ça c'est intéressant. Euh, surtout s'il y a des liens historiques avec le Canada. Donc, ça c'est intéressant, on pourrait leur dire, mais ce n'est pas super important. Des euh, élections à l'étranger de routine euh, avec leurs résultats et des nouvelles technologies. Ça, c'est vraiment int intéressant, mais ce n'est pas important. De la bonne euh, du bon renseignement en retard, c'est du mauvais renseignement. Donc, le problème de la bureaucratie lente, c'est un des problèmes au Canada. Et ensuite de ça, on a le euh, processus du cabinet. Donc, le cabinet avec les ministres et tout ça. C'est dans ce processus-là qu'on crée les, euh, les plans à long terme, donc les orientations à long terme du gouvernement canadien, c'est le cabinet qui fait ça, qui façonne ça. C'est pas juste le premier ministre. Mais eh le problème avec le cabinet, c'est qu'ils ont une limitation des ressources. Donc, il y a un maximum de trucs qu'ils peuvent traiter. Et euh, ce qui arrive, c'est que euh, si on, euh, on envoie de euh, l'information au, au, au staff politique, ça permet d'un peu de trier ce qui est important et moins important. Et donc, si en plus de ça, les fonctionnaires font du lobby euh, au, au bureau du Premier ministre, en plus, euh, ça ne marche pas. Il euh, y a comme un problème de ressources qui permet. Et là. Euh, fait que présentement, il y a un peu de la, de la, de la misère au, euh, au, au Canada de euh, traiter, euh, de bien traiter à long terme euh, des dossiers. Il y a, il y a beaucoup de euh, dossiers en particulier qui vont être politisés euh, politi afin de faire des gains partisans. Euh, par exemple, je pourrais parler euh, de euh, dès qu'on parle de terrorisme de l'extrême droite euh, ou... On pourrait aussi parler de, euh, des agences de renseignement qui ont surveillé Idle No More, donc le, 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 les mouvements de, manifesta de manifestation euh, des communautés autochtones au Canada. Dans les deux cas, ça peut arriver. Euh, y, on, on doit faire ce genre de suivi-là dans l'enseignement. Le mais si on médiatise ces informations-là, ça va être utilisé de manière partisane. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire attention aux. Euh, au, euh, au Canada. Euh, la, 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 la personne qui a travaillé avec Harper dans le PMO, elle termine son chapitre en mentionnant qu'il y a beaucoup de niveaux de euh, review, de oversight qu'on appelle, afin d'éviter qu'il y ait du, des secrets qui se maintiennent. Euh, je pourrais dire que c'est vrai que depuis les années 80, il y a beaucoup de niveaux de bureaucratie afin d'éviter les dérives de cette époque-là, ce qui fait que les crises sont même surmédiatisées, que ce soit dans les bureaucraties ou dans les médias. Autre chose qu'elle termine, elle dit qu'il y a beaucoup d'informations qui sont transmises pour le staff politique qui, sont, qui provoquent des traumas. Des traumas psychologiques. Euh, donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut mentionner aux politiciens aujourd'hui, aux bureaucrates aujourd'hui, avec la nouvelle réalité de la menace au, au monde, sur la planète, si vous voulez avoir affaire avec le politique, vous allez avoir affaire à faire affaire avec la criminalité et de quoi, à quoi ressemble la menace aujourd'hui. Et donc, ça veut dire que. Si vous êtes dans le bureau du Premier ministre, vous allez voir des images d'intervention de, euh, de, avec des armes chimiques, vous allez voir du trafic d'humains, vous allez voir des cadavres, euh, parce que les, vous avez accès aux preuves. Donc, il euh, n'y a pas de trigger warning. Pour, pour vous, là, vous devez être capable de supporter ce genre de, de choses-là dans votre vie. Ce qui va faire en sorte que la santé mentale des gens, des fonctionnaires, des politiciens et de leurs aides politiques va être très important à développer. Aussi la, leur capacité à réfléchir en termes de géostratégie, donc acteurs, moyens, champ de bataille, objectif. Deuxième partie, Core Collection and Advisory Agency, donc les, euh, les agences centrales de collection et de. Conseil. Le CISIS, le CSE, le ITAC et le FINTRAC. Chapitre 3, le CISIS, Canadian Security Intelligence Service, The Service, le SRS. En euh, 1880, 1984, le SRS est créé avec 90, 95% du staff du, euh, de la GRC. On avait dissous... La division renseignement du GRC suivant le Royal Commission into Illegal Activities by the RCMP, commission de 115 millions de dollars, et qui a euh, validé les appréhensions de beaucoup de souverainistes. Euh... <laughs> Surtout aujourd'hui, j'en entends encore parler, même si euh, on est vraiment en retard, si vous nous parlez encore de cette réalité-là. Aujourd'hui, 3200 employés, environ 600 millions de budget. Le mandat, threats to the security of Canada, covered in Caesar's Act, espionage, foreign influence and interfer interference, um, and interference, terror terrorism and political violence, sabotage, unlawful covered act uh, to undermine uh, Canadian democracy. Donc, euh, espionnage, influence étrangère, interférence étrangère, terrorisme, violence politique, sabotage, unlawful act, cover act, donc affaires, euh, ça c'est des actions clandestines des, euh, qui euh, undermine, qui euh, ébranlent les fondations de la démocratie canadienne. On rajoute à cela suivant des euh, rapports publics. La menace CBRN, donc... Chemical, biological, radi radiological and nuclear. Donc euh, chimique, biologique, nucléaire et radiologique. Et euh, on a rajouté récemment cybersécurité et infrastructure critique. Donc je vous parle tout le temps. Donc la protection de tout ça. Euh, nous ont le mandat de tout surveiller. Ça. Important. Le, le CISIS. Is not a law enforcement agency. Donc, ce n'est pas une agence de renforcement de la loi. Aucun pouvoir d'arrestation ou de détention. Présence physique dans 16 bureaux au Canada, plus dans des bureaux à l'international avec des, euh, ce qu'on appelle des Foreign Stations. Ce sont des euh, SLO, Security liaison, liaison Officer, donc des, des, des officiers de liaison qu'on envoie dans des bureaux. De d'autres agences ou euh, avec du personnel canadien dans d'autres bureaux. Le CISIS a donc quatre rôles suivants. d'un l'acte CISIS de 84 et ensuite de ça les amendements qu'il y a eu entre 2015 et 2019. Première, premier rôle, collection-analyse, section 12 du euh, CISIS Act. Euh, enquêter, euh, rapporter, conseiller le gouvernement sur la menace de la sécurité du Canada. Les, la définition de la menace, section 2 du, euh, de la loi. Deuxième, deuxième rôle, le rôle antiterroriste. Ça, c'est depuis 2015. Euh, ils ont des threat reduction measures, qu'on appelle des TRM, contre des de, donc la menace de réduction euh, des, 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 des mesures de réduction de la menace. Euh, en lien avec des menaces sur la sécurité nationale du Canada, section 12.1 de l'acte CISIS. Euh, il y a eu une évolution euh, donc à partir du Bill C59 en 2017, National Security Act en 2017. Troisième rôle, euh, foreign intelligence activities. Euh, donc on va avoir des euh, du renseignement étranger qui est fait à partir du CISIS, mais euh, depuis le Canada. Donc, ils peuvent faire du renseignement étranger, mais leur renseignement se fait à partir d'ici. Ils ne sont pas de l'étranger, comme la CIA euh, ou le SIS ou d'autres agences euh, de d'autres pays. Ils ne sont pas dans d'autres pays pour avoir des agents, pour avoir des, euh, des taupes et tout ça, comme dans les films. Là. Non, ils font ça d'ici. Euh, Qu'est-ce qui est étranger? Collection of information or intelligence about the capabilities, intentions, or activities of foreign states or persons and in relation to the defense in, uh, or the conduct of international affairs in Canada. Donc, c'est tout ça. Là. Euh, doit être autorisé par une requête écrite. du ministre des Affaires étrangères ou de la Défense nationale ou et, pas ou, et et ça prend l'approbation du ministre de la Sécurité publique selon la section 16 du Bill du CISIS Quatrième rôle du CISIS euh, Security Screening donc le screening la euh, quand on valide le dossier, voir si vous avez accès à des informations secrètes ou pour vous donner un accès à des agences ou à des endroits qui sont sous surveillance. Donc, la plupart des employés du gouvernement du Canada, plus euh, ils vont en plus toutes les euh, security assessments, donc tous les euh, rapports de sécurité de la menace en lien avec la citoyenneté, les visiteurs étrangers, l'immigration, les réfugiés. À retenir, ce suivant ces rôles-là, le rôle de collection d'analyse. Les menaces clés face au Canada sont sous surveillance par le CISIS. Terrorisme, prolifération des euh, armes de destruction massive, espionnage, interférences étrangères, cybermenaces, euh, menaces contre les infrastructures critiques et la sécurité économique. Donc, si vous faites partie de tout ça, vous faites partie de la menace. Euh, normalement, il y a, ne, le CISIS n'aurait pas le droit de surveiller les manifestations ou la dissension publique sans, crime, sans, sans lien criminalité, sans intervention étrangère. Donc, si c'est des citoyens canadiens qui font de la manifestation légitime et ou, ou de la représentation d'intérêt, donc Lawful Advocacy qu'on appelle. Euh, numéro 3, numéro 3 c'est. Euh... Foreign Intelligence. Donc, euh, on n'a pas d'agence au Canada comme le SIS, le Secret Intelligence Service en, en, en Angleterre ou la CIA, Central Intelligence Agency aux États-Unis. Mais le Canada est capable de rassembler de l'information euh, sur des intérêts euh, du renseignement, là, faire du renseignement étranger à partir de Open Source Reporting, donc des sources Open Source comme Facebook, Google. Euh, à travers les réseaux, les channels diplomatiques comme le Five Eyes, on va, je vais vous le voir, je vais vous en parler dans le CSE. Euh, C'est eux autres qui ont l'accès. Euh, D'autres manières, on peut avoir aussi euh, le CSE qui va avoir des euh, technologies et de la prise de signaux. Eux vont faire du rassemblement d'informations, donc de l'analyse, euh, pas de l'analyse, la, de, de la collection. Et euh, finalement, on va avoir euh, euh, d'autres tec euh, technologies et d'autres départements comme le CFINT.com, qui est dans le département de la défense nationale de l'armée canadienne, euh, qui font eux aussi de, euh, du renseignement étranger. Quatrième rôle sur le security screening. Donc, le, le, le CISUS fait... Ce qu'on appelle du euh, GSS Government Security Screening, du ICS Immigration and Citizenship Screening. On on tout ce qui est rapport à euh, essayer d'avoir d'accès à de l'information classée secrète, euh, des sites sensibles comme des ports, des aéroports, des, euh, euh, des sites nucléaires par année. C'est 60 000 requêtes euh, que le CISIS traite pour le gouvernement fédéral. Par entités, pour d'autres entités, 140 000 requêtes par année. Et en particulier sur im les, les immigrants, réfugiés, citoyens, euh, nouveaux citoyens Canada, donc en lien avec le CBSA, euh, c'est euh, 7700 requêtes par semaine. Mais on est rendu à 10 000 requêtes par semaine depuis 2017-2018. Euh, donc, on, on est vraiment en train de perdre dans le CISIS la capacité à traiter toutes les requêtes en matière de security screening. Et là, c'est à cause de la grosse vague d'immigration. Donc, je le vois dans le livre. Là. Euh, vous, vous voyez, le, le, pour tout, tout le reste du gouvernement, c'est 200 000 requêtes par année. Et juste pour l'immigration, réfugiés et citoyens, c'est 300 000 requêtes par année qu'on est rendu. 10 000 requêtes par semaine, le CISIS ne, traîne, ne sera pas capable de suivre s'ils n'auront pas de, du nouveau staff et de nouveaux moyens économiques. Controverse problème de coopération entre euh, les agences, problème de coopération à l'interne au CISIS, problème de, 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 de coopération avec les gouvernements étrangers. Donc le CISIS est vraiment, a vraiment une mauvaise euh, réputation au niveau des organisations de renseignement. Euh, problème de structure pour gérer les mandats de surveillance. Pas assez d'employés pour euh, revalider le processus légal des demandes de surveillance. Juste revalider des certificats de sécurité. Ils, sont, ils ont de la misère à fournir. Euh, ils n'écoutent pas les jugements sur la rétention de données. Donc quand il y a un donné de, leur, de la cour qui dit Vous devez effacer ça, ils le font pas Ils l'effacent pas euh, Et dernière chose aussi sur euh, Les Threat Reduction Measures Donc sur le deuxième rôle Bill C-51 2015 Qui a, euh, sous Harper Accepté euh, donc Que les CISIS peut faire des Opérations de réduction De la menace Trois limites La limite c'est la mort ou euh, le bodily arms, donc le, le, si on fait du mal à la personne, euh, le cisis ne peut pas. Si on euh, obstrue, euh, si on fait de l'obstruction, on pervertit ou on défait le cours normal de la justice. Et troisième, si on viole la sécurité, l'intégrité sexuelle d'une personne, le CISIS n'a pas le droit de faire des, euh, des mesures de réduction de la menace. Depuis 2018, zéro mandat de disruption de la menace et euh, 30 euh, mesures de réduction de la menace ont été utilisées. Je n'ai pas de détails sur ces 30 usages-là. Et depuis 2017, il y a de nouvelles euh, limitations, donc le NCRA et le NCOP, et on a aussi le Office of euh, Intelligent Commissioner, qui sont des structures bureaucratiques pour empêcher ça. Et il y en a d'autres qui vont venir. C'est tout pour le CISIS. Chapitre 4, le CSE, Communications Security Establishment. Créé en 1946 euh, à partir du National. Non, c en 1946, c'était le National Cryptologic Agency. Donc, le, la cryptologie à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Ils avaient une branche, Communications Branch, qu'on appelait. faisait partie du National Research Council, NRC. Et là, à partir de ça, ils ont créé le CSE. Leur mission, collecting foreign intelligence by monitoring foreign radio communications and when necessary and feasible, breaking the encryption system, protecting the, con the content. Donc, ça, c'est euh, collecter l la, 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 du renseignement, donc, donc des signaux, et briser l'encryption si possible. Deuxième chose. Providing the encryption systems used by the Canadian government to protect its own communications from activities of similar agencies in other countries. Fournir au gouvernement canadien des moyens d'encrypter les communications. Donc on parle de euh, SIGINT. S-I-G-I-N-T. Donc euh, signal intelligence. Les deux autres rôles du CSE, c'est ce qu'on appelle du ITSEC, euh, du euh, Information Technology Security. Donc le troisième mandat du CSE, Protection of Electronic Information and Information Infrastructures of Importance to the Government of Canada. As well as the government's own systems, radio communications and sensitive data stored on or transmitted among information technology systems. Donc, tout ce qui est protection de données, protection d'informations, protection de transmission d'informations, protection de données sur des disques ou peu importe, euh, et des communications radio. Et de tous les systèmes qui permettent ça. Quatrième rôle, Covert Actions Role True Computer Network Attack Operations. Donc, depuis 2019, le CSE peut faire des cyberattaques. Donc, ils peuvent attaquer physiquement les serveurs de d'autres pays suivant un mode opératoire en particulier. Le CSE, c'est lui qui représente le Canada dans l'entente Five Eyes. Euh, le CSE produit ce qu'on appelle chaque année 10 000 End Product Reports EPR euh, et elle fournit ça dans euh, l'accord Five Eyes. Donc les autres pays ont accès à ces 10 000 rapports par année. Et en contrepartie, le CSE accès à 200 000 EPR par année provenant des autres agences dans le Five Eyes. Donc les quatre autres agences sont la NSA aux États-Unis, National Security Agency. Euh, en Angleterre, c'est le GCHQ, donc le Government Communications Headquarters. Au Canada, le CSE. Le, au, en Australie, c'est le ASD le Australian Signals Directorate et en Nouvelle-Zélande, c'est le GCSB, Government Communications Security Bureau. Euh, maintenant, il y a beaucoup de coopération inter-agence, je vous l'ai dit, les autres agences sont pluguées sur le CSE au Canada. Là pour avoir accès à beaucoup d'informations. Euh, moi, ce que j'ai comme écho de plusieurs de mes euh, contacts dans, le, dans, le, dans plusieurs domaines, c'est que le CSE, c'est plutôt l'endroit dans les agences du renseignement canadien où tu as présentement le plus d'expertise. Donc, c'est les plus efficaces. Euh, donc, le nom actuel est depuis 1975. Leur but, donc, c'est ça, c'est de collecter, je répète, protéger. Euh, ils font de l'assistance opérationnelle et technique et ils font des cyberattaques. Pour avoir les End Product Reports, puis pour que le CSE suive les bons dossiers, il y a un pipeline de euh, intelligence priorities qu'on appelle. Donc, pourquoi le CSE est efficace? Parce qu'ils ont un bon pipeline. Euh, Qu'est-ce qui arrive? On a le PCO le conseil privé, avec des, des consultations avec le cabinet. Ils s'entendent pour pondre les priorités, les priorités qui sont envoyées comme une directive par le ministre de la Défense nationale. Ensuite de ça, euh, avec des, euh, les secrétariats en lien du PCO et des comités du CSE. On va faire des comités inter intergouvernementaux pour faire une liste détaillée de SIR, de Standing Intelligence Requirements, dont on fait la mise à jour à chaque six mois. Aujourd'hui, en 2021, euh, ben, au moment où c'était écrit les, le livre, là, il y avait 400 SIR. Donc, ça fait beaucoup de choses. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on trie euh, l'importance. Et là, euh, le CSE de son bar avec ses clients, clients privés, clients publics et clients étrangers, vont faire une liste à tiers of standing and ad hoc signal intelligence requirement. Donc, on va appeler ça euh, la liste à tiers des euh, 400 SIR qu'on a présentement par importance. On va appeler ça la NSPL, la National Signal Intelligence Priorities List. Et C'est comme ça qu'on fabrique la saucisse dans la CSE. Ben en fait, non. C'est comment qu'on choisit quelle saucisse on va fabriquer. Maintenant, quelle saucisse? Euh, collection de données, radio radiosatellites, communication, euh, métadonnées, euh, perception, euh, interception physique, donc les câbles de données euh, sous-marins, par exemple, les fils de fibre optiques. Et euh, finalement, on va faire ce qu'on appelle du Remote Computer Hacking, des, euh, ce qu'on appelle des CNE, Computer Network exploitations. Et là, le résultat, c'est les 10 000 End Product Reports qu'on envoie au Five Eyes. Euh, on a pour le CSE 2100 clients, 75 départements et agences dans le gouvernement. Euh, on a des. Euh, pour faire le lien, de deux manières. La première manière, c'est avec des euh, CRO qu'on appelle des Client Relations Officer. On va envoyer ça surtout dans les ministères ou dans les euh, bureaux qui a un député ministre en lien avec la sécurité nationale. Et euh, ailleurs, sinon, il y a le programme Slingshot qui est une plateforme d'accès à euh, du renseignement. Où les 2100 clients de la, du CSE ont accès. Et euh, donc, c'est une, une base de données. C'est un système de euh, livraison de EPR et de feedback. Parce qu'on n'a pas accès à tout. On fait une demande, on soumet une demande. Il nous renvoie ce en quoi on va avoir accès parce qu'on ne va peut-être pas avoir accès à tout. En preuve que le CSE fonctionne assez bien. 2014-2015, 94% des euh, EPR, End Products Report, étaient lus au moins par un client. 76% étaient satisfaisants. 36% exceptionnels. Et 7% qui, qui sont ce qu'on appelle du actionable intelligence. Donc, des, des, du renseignement sur lequel on peut faire des actions concrètes directement sans poser de questions. Euh, deuxième partie, euh, du mandat de, euh, du CSE, c'est ce qu'on appelle euh, dans le CSE, il y a le COMSEC qui est devenu le HITSEC. Donc il y a une division du CSE qui est directement euh, responsable de tout ce qui est opération euh, dans la collecte, les, les attaques cyber ou peu importe. Là. Et là, ce HITSEC-là, en 2018, avec d'autres cellules cyber de d'autres agences, a été regroupé, euh, ça c'est la euh, National Cyber Security Strategy, donc 2018 sous euh, Trudeau. C'est devenu le CCCS, Canadian Center for Cyber Security, 800 employés, sous le CSE. Et donc, euh, on a aussi troisième partie qui fait du renseignement le euh, Canadian Armed Forces, donc l'armée canadienne et le département de la défense nationale. Et les, euh, les agences de euh, renforcement de la loi qui vont faire aussi euh, des, euh, de la collecte de, du signaux de renseignement. Euh, on va faire un, un peu avec... Euh, donc, le, CS, le CSA va faire un, li un lien avec toutes ces entités-là. Ils vont faire du support linguistique. Ils vont faire... Euh, ils vont designer des solutions techniques pour des problèmes de ces entités-là. Ils vont décrypter des hard drives, par exemple, de. Euh, on va, un, par exemple, euh, euh, la GRC ou euh, la Sûreté du Québec euh, rentre dans une maison d'un criminel, il y a un disque dur qui est encrypté, on l'envoie au CSE. Euh, et eux autres vont, vont, vont décrypter ça. Quatrième partie du mandat du CSE. Les attaques, les cyberattaques, euh, c'est si le serveur étranger fait une un atteinte ou essaye de voler des informations euh, de can des Canadiens à, euh, au, à propos des Canadiens sur des euh, sites gouvernementaux, le CSE va pouvoir faire des cyberattaques, l'armée aussi fait des cyberattaques. Le CSE, c'est 3000 employés. 750 millions de dollars de budget. Donc, les controverses, les challenges, c'est surtout des, euh, en lien avec les nouveaux pouvoirs euh, qui sont accessibles par euh, l'agence, euh, les nouvelles menaces et euh, donc avec euh, qu'est-ce qui va arriver avec la vie privée, les, euh, le Intelligence Commissioner, le NCRA et le NCCOP. Est-ce qu'ils vont être capables de faire du Oversight and Review pour baliser les pratiques du CSE? Parce qu'ils sont efficaces, mais ils ne sont pas transparents. C'est tout pour le CSE. Chapitre 5, je vais faire ça rapide, les deux derniers, là, parce que c'est plus petit comme euh, agence. Le ITAC, e le chapitre 5. Integrated Terrorism Assessment Center. Donc, c'est eux autres qui analysent la menace, le niveau de menace, les terroristes. C'est dans le CISIS, donc c'est un petit bureau du CISIS dans le building du CISIS. Il euh, n'y a pas d'information publique, donc ça c'est un problème parce que leur but c'est d'être transparent, d'avoir de l'information accessible pour tout le monde, presque tout le monde, mais ils ne sont pas transparents. Donc ça c'est un, un premier défaut en plus. Euh, structure d'analyse différente du CISIS, donc ils analysent pas la menace de la même manière. Ils ont un différent directeur malgré que. Il doit être accepté par le directeur du CISIS. Le directeur est choisi par le NSIA, National Security Intelligence Advisor. Il est choisi avec l'accord du Premier ministre et du directeur du CISIS. Le directeur du ITAC, euh, ils travaillent ensemble, donc. Et tout ça ensemble, là, ils font un lien avec le board du CISIS et avec le cabinet aussi. Et donc, c'est dans ce centre-là qu'on analyse la menace terroriste. Euh, la, la plupart des analystes sont ce qu'on appelle des secondies. Donc, c'est des euh, employés qui viennent d'autres agences et en général, ils envoient des mauvais employés pour travailler au itac. Donc, mauvaise réputation pour l'agence la, au niveau du, de l'effort et de la capacité des compétences dans le euh, domaine en particulier. Euh... Il y a beaucoup de liens avec les euh, corps de police du reste de la, euh, du pays, comme la Sûreté du Québec ou euh, Ontario province Provincial Police, OPP. Euh, le mandat n'est vraiment pas clair. On a ouvert cette agence-là en euh, 2001, suivant les attaques du 11 septembre. Euh, ben pas 2001, c'est dans ces années-là, plus vers 2003. Là. Euh, les autres pays. Anglo-Saxons, Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis et Angleterre ont créé des agences comparables. On avait créé à l'époque, dans le CISIS, le INSAC qui est, qui est devenu en, deux, euh, en 2004. Non, c'est ça. En 2004, on a créé le... le non, c'est ça. Avant ça, on avait créé le INSAC le, dans le CISIS et en 2004, le ITAC a remplacé le INSAC. Et là, euh, le but, c'est de euh, porter une attention sur le terrorisme. As a community, community Resource. Donc, on veut que ce soit les autres agences qui se pluguent sur le ITAC e pour avoir de l'info sur le terrorisme. Mais pour l'instant, le ITAC, e c'est vraiment pas vu de même. C'est vraiment... Euh, je pense qu'on va avoir plus de euh, une meilleure réputation avec de l'information du CSE ou euh, de l'armée canadienne. Versus euh, le ITAC. Entre euh, 2004 et aujourd'hui, le mandat du ITAC a évolué. Aujourd'hui, c'est Federal Organization Responsible for Assessing Terrorism Threat to Canada and Canadians' Interest Worldwide. Ça veut dire que ce pas juste la menace terroriste au Canada, c'est la menace terroriste contre les intérêts canadiens à l'étranger. Euh, on a des produits à vendre aux agences. Donc, le produit, c'est euh, des rapports, 300-400 rapports par année, euh, des, euh, des analyses de la menace, le risque. Euh, Ces autres qui font le euh, niveau euh, de menace terroriste national, comme un baromètre. Depuis 2014, euh, on est à médium au niveau de la menace terroriste au Canada. Et ils font des euh, special events aussi. Donc, s'il arrive de quoi, un, nou un nouveau groupe, ben, c'est eux autres qui vont faire les premières études. Euh, ils font de la coopération avec les autres agents, je l'ai dit. Euh, c'est les autres qui ont fait le monétarage des euh, manifestations Occupy, Anonymous euh, ou Idle No More. Donc, euh, c'est souvent mal vu, mais toutes les démocraties doivent avoir des bureaux qui analysent la menace. C'est important. C'est ça, le renseignement. C'est de l'information qui est souvent politisée. Ça, c'est mauvais. Il ne faut pas politiser de l'information provenant de l'ITAC. Ça ne devrait pas être fait pour ça. Sinon, pour dire que on va prendre le rapport, on va regarder les mesures qui sont proposées et on va peut-être les implanter. Euh, au niveau de la menace, on devrait laisser ça aux agences de renforcement, de la, les corps de police, c'est eux autres qui devraient s'occuper de ça. La Garde nationale, tout ça. C'est eux autres qui devraient s'occuper de ça. Euh, et euh, donc, c'est quoi le problème de l'ITAC? Manque de transparence. Ils ne savent pas c'est quoi le rôle. Euh, Ce n'est pas efficace. Et qu'est-ce qu'on analyse? Dernière agence que je vais voir avec vous aujourd'hui, le FinTrack. Financial Transactions and Reports Analysis. Center of Canada. Donc, c'est mieux de dire FinTrack. FinTrack, euh, qu'est-ce qu'ils font? Clearing house, receiving, analyzing, and disclosing financial intelligence on suspected money laundering, terrorist financing, and threats to the security of Canada. Donc, c'est ce qu'on appelle du financial intelligence. Intelligence, find, uh, find int, De l'information sur les transactions financières, sur les comptes, faisant des liens entre des individus et des business, ou entre des individus et business, euh, et qui permettent à la police et au corps de law enforcement euh, et aux agences de sécurité nationale de Faire euh, trois choses. Une, euh, refine the scope of investigations. Donc, c'est des informations financières sur les, les comptes de banque en lien euh, entre des individus, des business, qui permettent au corps de police et aux agences de sécurité nationale de changer l'échelle d'analyse, changer le scope et ch euh, changer le euh, type d'enquête. Deuxième chose, changer le, la cible de l'enquête. Troisième chose, identifier des assets, donc identifier des propriétés euh, qui vont être la cible de, de saisie et de forfaiture. Euh, ils ont des bureaux à Ottawa, Montréal, Toronto, Vancouver. 31, euh, 31 000 business sont obligés de faire des rapports à la FinTrack. On a créé cette agence-là à partir du PCMLTFA, Proceeds of Crime Money Laundering and Terrorism Financing Act. En 2000, on a rajouté les standards AML contre euh, l'utilisation de l'argent du crime. En 2001, on a rajouté l'Anti-Terrorism euh, Act, donc pour le financement du terrorisme. Ensuite de ça, on a rajouté, parce que le, le, le bill responsable de l'agence, il a été amendé 28 fois, là. on a rajouté le FinTrack est responsable des sanctions administratives et euh, monétaires imposées aux, entitus, aux entités qui brisent la loi euh, financière au Canada. Euh, C'est eux qui sont responsables des obligations qu'on impose à des gens, qu'on appelle des. PEP, -E des Politically Exposed Foreign Persons. Donc, si on a des liens économiques avec des PEP, -E et là, le euh, FinTrack va nous consulter, va nous dire, vous êtes chef d'une entreprise, vous êtes en lien avec des personnes de l'étranger, par exemple, qui sont euh, politiquement liées au Parti communiste chinois. Et donc, pour assurer que votre entité, qui a, par exemple, des... Euh, des, en lien avec la sécurité nationale, l'infrastructure critique ou peu importe. Là, pour que vous ayez euh, continué à avoir accès à tout ça, ce marché-là, eh bien, vous allez devoir remplir ces conditions-là. C'est eux autres qui font ça. Revenu Québec rapporte à la FinTrack depuis 2019. 2019 là, seulement. Euh, la coopération inter-agence très limitée, parce que c'est la FinTrack qui centraliser tout ça au Canada. C'est le modèle qu'on appelle le bureaucrate au canadien. C'est vraiment un bureau, un bureau qui est centralisé. Euh, C'est une agence qui est, très, qui est présente dans plusieurs communautés de sécurité euh, nationale ou criminalité. Euh, très petit budget, euh, besoin de beaucoup plus d'argent présentement. Et ils ont, comme autre challenge, euh, la, le vieillissement de toutes les infrastructures de sécurité au Canada qui font euh, on n'évolue pas assez vite. La FinTrack n'est pas prise au sérieux par les grandes banques canadiennes parce que les grandes banques canadiennes ils ont juste à faire un lobby au PCO, euh, non au PMO, au euh, bureau du premier ministre, afin d'empêcher de, qu'il y ait des nouvelles mesures. Euh, très lente à évoluer. Ça a pris de 2014 à 2018 afin que la FinTrack ait... Des processus internes pour bien comprendre les bitcoins. 2018, là, ça fait seulement trois ans qu'ils sont euh, à jour. Et donc, c'est ce qu'on appelle la Fintrac, le New Kids on the Block. Euh, ça veut dire que euh, quand on parle de renseignement, on est rendu à quatre niveaux de renseignement. On a le Human Intelligence, donc le, le renseignement humain. On a le Signal Intelligence, donc le renseignement des signaux et des cryptions. Le Geo Intelligence, Géospatiale et Financial Intelligence. Les avocats ont des obligations à rendre à la FINTRAC selon la, la loi, mais contestation de la loi par la Fédération des, euh, des, des corps de justice euh, des avocats au pays en 2003 qui a ralenti. La, la, la mise en place de cette infrastructure-là financière. En 2019, il y a eu un House Report qui a confirmé le framework obligeant les avocats à, euh, de, et notaires à, à rapporter à la FinTrack. C'est une controverse en cours. Ce pas, ça va être contesté juste probablement à la Cour suprême, selon moi. Euh, ça va être contesté quand il va y avoir un avocat ou un politicien ou un, 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 une entreprise qui va être prise à partie par la FINTRAC et il va contester. Euh, chaque année, la FINTRAC fait ce qu'on appelle 200, en, environ 250-300 euh, « project level investigations », donc des enquêtes. Euh, entre 2003 et 2017, 1766 euh, « project level investigations » En lien avec le terrorisme, seulement 7 ont arrivé à des euh, accusations criminelles sur le financement du terrorisme. Donc, on se demande qu'est-ce qui se passe au niveau du ratio. Il y a beaucoup d'enquêtes, très peu de euh, d'accusations criminelles. On ne le sait pas si c'est parce que c'est trop difficile euh, de traiter ce genre de choses ou si c'est. Euh, tout simplement le cadre légal qui n'est pas assez fait ou que c'est l'entreprise, euh, l'agence qui n'est pas euh, assez coopérative ou efficace ou experte. Donc, on va voir ce qui va se passer dans les prochaines années. Euh, pour l'instant, ce que je vois là, dans les agences les plus importantes, on pourrait dire, il y a le CSE qui fonctionne bien et les, les autres qui cherchent là, euh, présentement. Donc, euh, c'est tout pour aujourd'hui. La première partie euh, de Top Secret Canada, j'ai traité euh, donc des, euh, des, de l'évolution du système canadien en lien avec euh, le noyau cérébral des, de la communauté du renseignement canadien et euh, les, le cœur névralgique, névralgique des entités qui collectent la donnée, l'analyse de la donnée au Canada. Si vous avez apprécié mon podcast. C'est bien de partager, liker et de vous abonner à ma, à ma chaîne YouTube. C'est très important aussi de participer à mon financement. Je ne peux pas faire ça sans vous. Chaque, chacun des livres que j'utilise pour faire des sources et chacun des euh, plateformes que je vais utiliser pour rassembler de l'information pour vous me coûte de l'argent. Et j'espère que la qualité du contenu que je crée pour vous mérite un salaire. Donc, c'est pour ça que c'est avec vous que je produis ce contenu-là. Je vais produire le deuxième podcast probablement aujourd'hui euh, ou demain. Et vous allez le voir en début de semaine, la semaine prochaine. Je vais laisser quelques jours pour que euh, vous participez, euh, vous ayez la capacité de, de suivre ce qui se passe. Et euh, donc, deuxième partie du podcast Top Secret Canada à venir. Je vous souhaite une bonne... Euh, on est rendu là... On est rendu fin de semaine. Bonne fin de semaine. <laughs>